Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon d'orthographe dont le titre est l'accord de l'adjectif qualificatif avec le nom en genre, c'est-à-dire masculin, féminin. L'accord de l'adjectif qualificatif avec le nom en genre. J'ai dit c'est-à-dire masculin, féminin. On va faire d'abord un petit rappel sur l'adjectif. L'adjectif qualificatif sert à préciser ou qualifier le nom auquel il se rapporte. L'adjectif qualificatif sert à préciser ou qualifier le nom auquel il se rapporte. Exemple, ce jardin est immense. Ce jardin est immense. Jardin, c'est le nom. Immense, c'est l'adjectif qualificatif. Alors ici, immense, il qualifie le nom jardin. Oui, il qualifie le nom jardin. On pose la question comment. Comment est ce jardin? Ce jardin est immense. Alors, immense, c'est l'adjectif qualificatif qui qualifie le nom jardin. Alors, revenons maintenant à notre leçon. L'accord de l'adjectif qualificatif avec le nom en genre. J'ai dit masculin, féminin. Alors ici, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre avec le nom qu'il qualifie. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre avec le nom qu'il qualifie. Alors regardez ici, s'il vous plaît. Si le nom est masculin, l'adjectif aussi est masculin. Si le nom est masculin, l'adjectif aussi est masculin. Exemple, ce petit enfant est heureux. Ce petit enfant est heureux. Regardez ici, le nom enfant, c'est le nom. Oui? Enfant, c'est le nom. Ici, petit, c'est un adjectif. Heureux, c'est un adjectif. Alors, regardez ici, le nom, elle a deux adjectifs. Oui? C'est-à-dire, il y a deux adjectifs, petit, heureux, deux adjectifs qui qualifient le même nom. Petit, heureux, deux adjectifs qui qualifient le nom heureux. Regardez ici, l'adjectif peut être placé avant le nom ou après le nom. L'adjectif peut être placé avant le nom ou après le nom. Ici, enfant, il a deux adjectifs, petit, heureux. Alors, regardez ici, petit, c'est masculin. Oui. Ici, heureux, c'est masculin. Alors, ici, enfant, on dit un enfant. C'est un nom masculin. Alors, il y a un accord ici. Hein? Les deux adjectifs s'accordent en genre avec le nom enfant. Petit, heureux, ce sont deux adjectifs qui s'accordent avec le nom qu'il qualifie enfant. Alors ici, masculin, il s'accorde en genre. Ici, c'est masculin, le nom est masculin. Petit masculin, heureux masculin. On va voir ici, si le nom est féminin, l'adjectif qualificatif est aussi féminin. Exemple, cette petite fille est heureuse. La même phrase, on a changé le nom ici. Cette petite fille est heureuse. Regardez ici, fille, c'est féminin. Le genre de fille ici, son genre, c'est féminin. Petite aussi, c'est un adjectif qui qualifie le nom féminin. Elle est aussi au féminin. Heureuse, c'est un adjectif aussi féminin. Il qualifie le nom fille. Alors, c'est la même chose. Il y a deux adjectifs, petite, heureuse. Il qualifie le même nom, fille. Alors, le nom ici, fille, est féminin. Alors, les deux adjectifs aussi sont au féminin. Regardez ici comment on a formé le féminin de l'adjectif petit. Comment on a formé l'adjectif ici, au féminin? On a ajouté « e ».
Ici, petit, c'est l'adjectif masculin. Pour le former au féminin, on a ajouté un E. On dit petite. Petite fille. Regardez ici, heureux. C'est un adjectif en masculin. Comment on a formé son féminin? Le X est devenu S-E. The. On dit heureuse. Heureuse, c'est féminin de heureux. Alors ici aussi, les adjectifs, les deux adjectifs s'accordent avec le nom fille. Ils sont au féminin. Alors, le nom au féminin, petite au féminin, heureuse féminin. Alors, ils s'accordent avec le nom qu'ils qualifient. Ils sont au féminin. Alors, j'ai donné quelques exemples ici aussi. Exemple, ce paysage est beau. Ce paysage est beau. Paysage, c'est un nom. C'est le nom. Beau, c'est l'adjectif. L'adjectif beau qualifie le nom paysage. Alors, il s'accorde en genre avec le nom qu'il qualifie ici. Beau, c'est l'adjectif qualificatif. Il s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Le nom est masculin. L'adjectif aussi masculin. Alors, ici, on va voir cette phrase. La mariée est belle. La mariée est belle. La mariée, c'est le nom. Belle, c'est l'adjectif. Oui. Alors, le nom ici, la mariée, est féminin. Belle, l'adjectif aussi, est féminin. Alors, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre avec le nom qu'il qualifie. Il s'accorde en genre avec le nom qu'il qualifie. Le nom est féminin, l'adjectif est féminin. Regardez comment on a formé le féminin de beau. C'est belle. Il change, hein? Il change. Il y a des féminins où on ajoute le E. Il y a les féminins qui se terminent par, les masculins qui se terminent par X, leur féminin, the. On dit, par exemple, heureux, heureuse. Ici, il change. Beau, belle. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est si le nom est masculin, l'adjectif aussi est masculin. Si le nom est féminin, l'adjectif aussi est féminin. C'est-à-dire que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre avec le nom qu'il qualifie. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Au revoir et à la prochaine.